Bonjour, toi. Oui, toi. Toi qui commences à te demander ce que tu vas bien pouvoir mettre sous le sapin et surtout croise très fortement les doigts pour qu'il y ait du monde autour du sapin le moment venu. Ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois de novembre, que dois-tu absolument voir dans les salles? Une vie démente. Lorsque l'on porte un sujet, aussi brutal, dur, difficile ou complexe à mettre en scène, il faut toujours réussir à porter avec assez de finesse et d'intensité la forme de ce sujet dans la meilleure direction, pour ne pas simplement donner lieu à une œuvre juste ou simplement forte, mais plus radicalement, à une œuvre à laquelle le spectateur parvienne à s'accrocher pour nous emporter avec délicatesse et finesse dans un torrent d'émotions rares et justes. Et clairement, Anne Siro et Raphaël Balbany nous ont offert cela en portant avec une réelle tendresse et délicatesse à l'écran un projet ambitieux et fort, un mélange élégant et fin de comédie et de drame pour un instant de cinéma qui nous transporte, qui nous émeut et qui réussit l'exploit assez fort de dépasser la dureté de son sujet pour nous embarquer avec forme dans un instant de cinéma magnifique et sincère. C'est un film bouleversant qui, heureusement pour nous, ne cherche jamais à être trop sérieux pour son sujet. Et franchement, s'il l'avait été, ça aurait été bien triste. Sur le papier, il aurait été facile de la part des deux auteurs de concevoir simplement un énième drame autour d'une tragédie familiale, cherchant ainsi à mettre en relief avec un certain charme, mais une lourdeur dramatique un peu trop pesante, le poids de la maladie sur un couple, cherchant à se construire une vie de famille, mais heureusement pour nous, les deux auteurs ne vont jamais ou alors si peu dans cette direction. Indéniablement et rapidement, on se rend compte que l'on est face à une comédie réjouissante et amusante, cherchant avec un certain plaisir et une justesse contagieuse à nous emporter dans un mouvement où l'émotion peut être multiple face à la maladie, et où du coup, en tant que spectateur, on se plaît à s'amuser et se laisser embarquer par cette famille étrange et loufoque, par ce fils et sa mère, par ce couple, bref, par une certaine idée du cinéma qui personnellement me touche et m'emporte de bout en bout. C'est un moment de cinéma merveilleux, sublimé qui plus est par deux acteurs qui se donnent tellement à fond pour leurs personnages que l'on a un attachement profond pour leur aventure. Jean Le Peletier et Lucie Debay sont tous les deux impériaux au cœur de cette œuvre, le duo apportant énormément à l'ensemble du long métrage, couplé à une maîtrise du jeu et des changements de ton de l'œuvre qui impressionnent. Mais il faut également citer l'immense Jo Dessert, à l'actrice qui parvient à faire osciller avec une extrême justesse le film du drame à la comédie par un jeu élégant et d'une finesse immense. Au fond, Siro et Balbany nous transportent, nous fascinent, nous emportent dans un torrent de cinéma merveilleux et rare, une œuvre qui ne se cache jamais derrière des faux semblants, derrière une fausse manière de faire et de développer une œuvre de cinéma, emportant sur son passage la fascination du spectateur pour un morceau de 7e art qui amuse, qui fascine, qui divertit, mais surtout qui passionne et donne envie de se plonger avec ses personnages. Vous l'aurez compris, donc foncez voir Une vie démente. C'est un moment de cinéma qui m'a renversé. Je ne m'attendais à rien et j'ai été complètement comblé. C'est une œuvre portée par des acteurs talentueux, par des auteurs talentueux, mais surtout c'est une œuvre qui maîtrise un sujet difficile pour l'emmener dans un retranchement où réellement on est du début à la fin surpris.